gloire à Jésus. Quand il faut bien, on va faire lecture dans Jean chapitre 16. 15. Dans Jean chapitre 15. On va faire lecture la parole de Dieu dans Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis les cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ici, c'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que Dieu t'aille bénir cette portion de Dieu pour notre édification commune.